Rayman, je suis là. Viens, c'est... Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Rayman 3. Donc on s'était arrêté là la dernière fois, dans le désert des Kinaren. On avait pas mal avancé, il nous faut un power-up vert, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, je sais qu'il va falloir aller par là-bas à un moment. Visiblement pas maintenant. Je crois qu'il faut faire venir la Kinaren ici. Voilà. Sucez les yeux. Calme-toi, jeune Kinaren. Le tuer lentement. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'on en parle qu'il y en a un qui vient d'esquiver le truc? Ok. Et non, ne fuis pas. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la suite. Oh non, c'est un petit être. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'ils vont mettre un point ici. Ah, pas mal. Mais je me souviens pas du tout de ça, donc je le faisais probablement jamais quand j'étais plus petit. Aïe. J'ai mal. Ça fait mal les Kinaren. Bah let's go. On va se soigner un peu quand même. Oh oui, d'accord. On a atteint un niveau de débilité assez élevé. Oh, ah oui, pas mal de points. Ah si j'avais gardé le double point là. Ouh. On va lâcher ce point, il fait du bruit pour rien. Bon, m'en voulez pas, j'ai pas lancé de chronomètre, donc de temps en temps il va falloir que je m'arrête 2 secondes pour voir où est-ce qu'on en est. Non, saleté de... Par contre, j'ai vérifié dans le dernier épisode, je suis pas sûr que vous entendiez bien le son. Viande meilleure avec du sel. Oui. Sucez les yeux. Yes. Ok, je crois qu'il va falloir aller là-haut. D'accord, ok. J'ai un gros problème de 3D hein. Ok. Ok. Au secours. D'accord, donc il y a un petit être à libérer. Ah ça c'est une partie de la zone de la musique d'intro. Musique d'intro qui a été copyright d'ailleurs. Mais pour le coup j'ai pas claim parce que c'est un point du let's play où les gens savent pas trop si on peut dire que c'est vraiment une œuvre à part ou si c'est une exploitation d'œuvre en fait. Oh bah. Le hasard a fait que toi tu seras repéré. Bon pardon, faut que je remonte tout là. Tiens voilà. Sucez les yeux. Très amical les Kinaren. Je sais pas si ça va suffire en point ça par contre. Yes. Et allez, 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 allez. Oui. On a frôlé la catastrophe là. Comme dirait une pub que vous connaissez bien. Ouf, on a encore eu de la chance. Je viens de perdre la moitié des auditeurs de... de ceux qui... des abonnés. Wow, j'ai bugué mentalement. Ah d'accord, ils ont donné ça. Ok. D'accord, on peut monter haut. Je vais pouvoir aller là. Je suppose qu'on peut aller nulle part ailleurs.
J'ai pas l'impression. Là-bas. Ok. Allez, hop, fin du niveau. En 5 minutes. 66%, ouais, ça m'étonne pas. Bon, bah, on avance à grands pas. Hein. De toute façon, c'est pas encore la zone la plus dure, c'est vraiment une zone en particulier dont je me souviens qui est longue. Y a pas quelqu'un qui aurait du sirop pour la gorge? D'accord. Ah, oh oui, c'est d'accord, je crois que je connais cet endroit. Voilà, quand on vient là, il nous fonce dessus. Et en fait, il faut aller ici. Je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, il faut réappuyer. Wow, la caméra. Vraiment, dans Rayman, ils ont ce trip de toujours changer la caméra au pire moment. D'accord, ok. Cette zone servait juste à avoir des points. Alors là, non. Non. Là, vous l'avez tous vu, ce changement de caméra était ignoble. On va essayer de tomber. Vraiment, j'ai du mal à me repérer ici. Bon, je suppose qu'il faut que j'aille là. Allez, oh. Ça vous amuse vraiment de vous en prendre un mec tout seul? Wow. Ah. D'accord. Et... Dérouler ses intestins. Est-ce que ça vaut le coup de descendre là? J'hésite, hein. Allez, le coffre. Non, mais il tombe, Rayman. Ok, c'est ce power-up là. Donc on peut remonter. Je pense qu'il est là, genre si jamais on tombe. Que je peux aller. D'accord, aller plus haut. Cerveau frais. Cet épisode va être long, je pense. J'ai vraiment envie d'aller en bas. Oui, il y a des trucs en bas. Ok, on peut ouvrir le gong là. Et alors, ça sert à quoi? Ah, parce que je suis pas au niveau du truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien, hein. On est d'accord. On est d'accord. Je sais pas demander votre avis. Ok, là on va faire venir le Knarren. Ok, est-ce qu'il y a un truc à récupérer? Oh oui, il y a un truc là. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert, mais d'accord, ok. Oh, oh, il me fait peur. J'étais pas prêt. D'accord, donc on va avoir besoin de ce truc bleu, je sais pas quand, mais on va en avoir besoin. D'accord, le rubis caché. Ici, on va en avoir besoin ici. Okay. Bah, let's go. En fait, il est où le Knarren? Est-ce qu'on peut pas, genre, juste cheater en mode YOLO? Non, non, d'accord, on peut pas. L'odeur de sa viande. Laisse-le courir. Viande meilleure avec du sel. Laissez-le courir. Ah, non. Pas de Wayman. Donc là, on va avoir accès à ça. C'est un truc alternatif, hein, je pense pas. Oula, 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 oula. Petit cafard, ne laisse jamais les Knarren t'approcher du hangar. Jamais. Allez, on cheat. Non, ça cheat, non, on pas. Non, 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 non. Oh, on va descendre tout en bas, je sais pas ce qu'il y a. Ça se trouve, il y a la mort. Ah non, c'est une zone.
ça rend même pas de point de les tuer. Wow, lui j'étais pas prêt. Ça va. Où je suis? Je pense que je dois descendre. Mais où est-ce que je suis? Je sais pas du tout où je suis, c'est ce que je viens de faire une énorme connerie. Bon écoutez, tant pis hein. T'as fait une connerie, autant la faire bien. Alors. Ah, est-ce que par hasard je serais pas revenu? Ouais, si, c'est bon, je suis revenu là. Ok. C'est bon, on est revenu à un endroit qu'on connaît. Comme je vous dis, c'est assez labyrinthique ici donc. Oula, il m'a vu. Énerve-toi, c'est bien. Je sais pas. Waouh, il y a eu un freeze. Violent. Les pluchers vivants. Les pluchers vivants. Bon. On va juste tenter d'aller à la fin. Donc, je vous ai dit, cette zone, je l'aime pas trop, elle est longue. Ok. Oula, il y a lui là. Lui, je l'aime pas. Là-bas, c'est pour remonter. Je crois qu'on peut monter tout en haut. Genre, ouais, voilà. Nice. Nice. Bah écoutez, j'ai moyennement envie de faire tout un truc pour rien. Je vais voir s'il revient par ici. Il y en a un autre qui gueule au secours là, mais je sais pas qui c'est. Il lance ses points, mais ses points restent attachés à lui. Hein. Les pluchers vivants. Les pluchers. Hop là. Vivants. Ah mince. On peut pas. Dommage. J'aurais essayé. Arrachez les ongles. Le retourner comme un gant. Où est-ce que ça nous emmène ici? Dans une zone encore inexplorée. Ah oui, ok, ici c'est la suite, je le sais. La mienne est plus grosse que la tienne. Peut-être, mais la mienne est bien plus longue. Regarde, je peux même la toucher. Vous allez arrêter avec vos capuches. Voilà, et je vous ai laissé profiter de ce dialogue incroyable. Maintenant c'est la phase d'infiltration. Cette phase est plutôt cool et unique dans ce niveau. Donc c'est le seul truc qui me fait aimer ce désert. Il va aller où là? Il va aller avancer hein. De toute façon je sais qu'il va falloir que j'attende là. Je déteste attendre hein. Je sais pas si vous savez mais je suis le type de gars à foncer dès qu'il voit un truc. Mais bon là, de toute façon, je peux pas faire autrement. Enfin, probablement qu'en faisant quelques petites manipulations, en faisant bugger le jeu... Ah, y'a moyen, hein, mais bon. On va tenter d'y aller de manière légite. Légite, je voulais dire. Un petit jeu. Oh. Une autre cache de petits êtres.
capuche qu'ils ont. Mince. Je pense qu'il fallait faire avec le missile, mais... Est-ce que ça fait des dégâts, ça? Non. Je crois que j'arrive à la fin. Oui. Ah, t'es censé dire des trucs, Herman? j'ai là, normalement, c'est la fin du niveau. Oui. On en a combien de minutes? Ah oui, 16 minutes! Ah oui, on a pris du temps sur ce niveau. Enfin, j'ai pris du temps. Vous avez rien fait, vous avez subi. Bon, j'ai pas fait 100% de ce niveau du tout, hein. Je pense pas... Je suis désolé, hein, mais bon... J'avais moyennement envie de passer tout un épisode dessus. Déjà qu'on est presque à ça, déjà. Ok, donc ici, y a rien. Ouais, c'est rien qu'on puisse atteindre. Je crois que là, on arrive à la fin du désert des Knaren, là, à peu près. Pardon. D'accord. On peut pas faire autrement que mourir là, je crois. Oh non. Oh, toi c'est pas mal. Je sais pas s'il fallait tomber ou s'il fallait se laisser attraper. D'accord, je pense que c'est pour se soigner avant le combat de boss. Bah écoutez, je pense qu'on va finir le désert des Knaren, ce sera un des trucs. Oh non. Oh non. Et ici? Non, c'est pas par là. Ici. Non, c'est pas par ici. Quand ça vibre, c'est dire que je vais tomber. Hein, quand je prendrai le. Ici. Et ici. Ça semble être ça. Non, pas par là, d'accord. Ah mince. C'était quoi? Faut que j'aille tout à gauche. Tout à gauche. Non. Tout à gauche, je tourne à droite une fois. Non, c'est pas ça. On peut pas arriver par ici. Ok. Par le milieu. On peut pas arriver par le milieu. Par ici. Ok. Gauche. On peut. On peut pas. Ok. Donc, faut commencer déjà par la droite. Ensuite. C'est pas possible. Ici c'est pas possible. Ok. Allez, c'est parti. On va tenter d'y arriver. Ah, ok. Allez, c'est parti. On fait ça. Oh, c'est pas mal, ça c'est une énigme cool. Oh, j'aime bien. C'est sympa. Et oui, donc on pouvait faire autrement qu'en faisant vibrer, hein. En regardant là, on voit que ce sont des dalles qui sont uniformes, celles qui tombent. Voilà. Voilà, c'est clairement le boss. On a combien de minutes? Ouais, 20 minutes. Oh, le boss est long, j'hésite. Hein. On va bien avoir un truc avant le boss. Hein. Ok, pas par là. C'est sûr qu'il y a aussi des Knaren vers là où je vais. Hein. Ouais, il commence à nous cerner et tout, genre.
Allez hop. Allez, allez. Oh, il y a plus de PV. On a gagné pas mal de PV là. Faut que j'aille faire mon ourlet. Comment ça? Voilà. Depuis la mort de Gudrun, je me sens si seul. Plus personne à serrer dans mes bras. Bon, c'est la fin. Allez, tombe. D'accord, c'est quand ils vont arriver que ça va se casser. Je vais me faire choper par les Gnaren. Je sens que je vais me faire choper, parce que... Ah! Yes! Oh, leur tronche! Ah, c'est... Pas trop ce qu'il dit. Allons voir comment tu te débrouilles dans les arènes du destin. D'accord. Et bah c'est parfait. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On va voir un peu ce qui va se passer, mais on va sûrement s'arrêter ici. On va voir la cinématique quand même. Eremon, je suis là. Silence. Coucou. J'ai du silence! Bah quoi, c'est mon ami! Veux-tu donc te taire, stupide crapaud? Raflux est mon champion, et aucun Knaren n'a jamais réussi à le vaincre! Alors crois-tu que d'abord t'en démembrer et une chance contre lui? Cela dit, je suis sûr que ton ami va briller dans l'arène. Que le combat commence. Non, le combat ne va pas commencer, donc merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si... On va éviter de faire comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour ne rien rater, à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et à partager la vidéo pour nous faire connaître. N'oubliez pas le Discord et le Twitter dans la description, j'oublie souvent, mais... C'est cool. Je crois que c'est la pire fin. Donc merci d'avoir regardé. À la prochaine.